Les Alpes, les Alpes. Je roule en ce moment dans un long tunnel quelque part sur une petite ligne de chemin de fer. Les Alpes, je répète le mot. Il a quelque chose de coriace. Les Alpes. On les a tant dites, tant écrites, tant photographiées, tant filmées que c'est folie d'en parler encore et d'y traîner avec soi une caméra. Les Alpes, je répète le mot, il me fait peur. Les Alpes. Elles tendent des pièges impitoyables à qui veut les exprimer. Le piège du lyrisme gonflé, celui des conventions idylliques, celui des antithèses éclatantes et creuses, par exemple. Crinière de glaçons. Trône rose de l'aurore. La colombe avalanche. Petite cabane du pâtre. Alpes d'émeraude. Crevasse aux yeux verts. Le grand sculpteur de l'infini. Les terres indiscernables laissent perdre la vue dans l'immensité sans bornes. Ici, l'homme respire l'air sauvage, loin des émanations sociales. Irritant, n'est-ce pas? Je pourrais aussi vous montrer des photographies aux compositions pompeuses, skieurs à contre-jour, avec au premier plan les éternelles stalactites de glace qui pendent à la chanlatte d'un toit, bergers maquillés pour des cérémonies folkloriques, avec en arrière-plan, et si possible, un sommet enneigé émergeant d'une épaisse couronne de nuages. Les Alpes. Je me demande comment il faut s'y prendre pour parler simplement de leur grandeur. Allons, il est également vrai que nous ne sommes jamais assez gavés de l'imagerie alpine. Et je vous propose de nous arrêter à cette petite gare, d'y reprendre le souffle, de regarder d'un peu plus près ce qu'un film sur les Alpes ne peut pas ne pas montrer. Carte postale savoyarde. Ici, on les voit tant dans les vitrines des libraires, des photographes et même des pharmaciens que je vous autorise à fermer les yeux. Alpiniste, cordée, leçon de courage, on connaît ça par cœur. Distinguons. Il y a les vrais alpinistes, amoureux de la nature et discrets. Il y a les autres, ceux qui fabriquent une morale avec quelques métaphores alpestres, ceux qui vont au suicide, ceux qui font de l'héroïsme un métier et un métier inutile. Je vous laisse en paix un moment, feuilleter à votre gré la suite de cet album d'images. Thank you.
Je vous arrache rudement à cette imagerie, et il me plaisait tant finalement de la revoir que j'ai un regret dont je ne me consolerai pas. J'aurais aimé vous montrer des marmottes qui tiennent conseil à l'entrée de leur galerie. J'aurais aimé vous citer Rousseau, Saussure, Colette, car ils sont de ceux qui ont le mieux parlé des Alpes. Tant pis, il faut bien que le vrai film commence. Les Alpes. Je me demande comment m'attaquer à cette langouste géante dont la queue se replie vers l'occident, les pattes se ramassent dans les contreforts de la plaine du Pô, et les antennes s'avancent jusque dans la plaine de Hongrie. Pour l'heure, je choisis les pattes versant français dans le Kéra. Le train, cette fois mis en porte à coup sûr, à l'aube, j'y serai. Pierre Grosse, hameau de Molines, département des Hautes-Alpes, 1900 mètres d'altitude, 20 janvier 1962. Il est 7h55. La température est à moins 20. Le moteur de la caméra gèle et je me demande si elle pourra longtemps maintenir son regard. Pourtant, ce qui se passe devant nous vaut la peine qu'on s'y arrête, car ces gens que je brûle de connaître ne sortent massivement que deux fois par jour, maintenant et à la tombée de la nuit, et pour la même raison, porter le lait dans une salle commune que l'on appelle la fruitière et dont je vous reparlerai. Le reste du temps, ces paysans hibernent et il sera difficile, je le sais déjà, de pénétrer dans chaque cellule familiale. Dans un instant, je vais pourtant rencontrer le sage de Pierre Grosse, Élie Berge. Cet homme m'intimide. Je sais que sa femme et lui ont recommandé à leurs enfants de quitter le village. Je leur demande de me parler d'eux. Eh bien, le premier, c'est un garçon, Marcel. Il est instituteur à Salon-de-Provence. Le second, un garçon aussi, instituteur à Souliers. C'est Yvon. Yvon. Instituteur à Souliers, un petit village près de Château-Quérard. Puis ma fille, qui est mariée, qui fait sa première par correspondance, Madeleine. Et ma dernière fille, Marie-Noël, qui est encore au lycée en seconde. Voilà pour mes enfants. Je leur demande alors les raisons profondes de ces départs. Eh bien, premièrement, parce que il n'y aurait pas eu de place pour deux garçons dans mon exploitation. Peut-être un aurait pu y vivre, et puis, à ce moment-là, de plus en plus, on s'apercevait que l'exploitation en altitude devenait difficile. Ça n'était même plus viable. Et il y avait un tas de problèmes qui s'ajoutaient à ça. Il y a la cohabitation avec les parents. Alors que les moyens financiers sont très réduits pour pouvoir s'agrandir, pour pouvoir construire, pour pouvoir... J'ai préféré les envoyer à l'école. C'est des bruits. Et votre avis, Madame Berge, dis-je, quel est-il? J'ai toujours été d'accord, bien sûr. Parce que je savais que la vie ici était assez dure, surtout pour les filles qui devaient se marier après avec des paysans ou aller se placer en ville. Et de notre côté, si une de mes filles s'était mariée là, c'était pareil, il y aurait eu la belle-mère et la belle-fille, ça aurait été dur pour toutes les deux. J'avais déjà été belle-fille une fois et encore être belle-mère une autre fois. Je voyais ça assez mauvais. 10 heures. Je suis au cœur du village, que l'on croirait parfaitement gelé. N'était ce bruit de scie qui agace le silence. Le silence. Je ne vous ai pas parlé du silence. Plus que la neige, plus que cette architecture insolite des maisons, il m'a frappé d'abord. Il y a des années que je l'avais oublié, et la manière qu'il a de s'effacer pour mettre en relief le moindre son. Si je m'attarde longuement à ces scènes longues, ce n'est pas pour me complaire dans le pittoresque, mais parce qu'au même moment, 300 000 Parisiens grouillent sur les boulevards et martèlent au pas de course les escaliers du métropolitain.
Alors, ces hommes qui s'en viennent d'une grange éloignée avec leurs bottes de foin qu'ils portent à l'étable nous révèlent tout un rythme qu'on n'imaginait plus, celui de notre siècle. Je regarde vivre cet homme-là, confiné dans le même lieu que ses bêtes, et avec lesquels il entretient un dialogue subtil, fait d'onomatopées. Il s'appelle Émile Michel. C'est un vieux garçon. Au sujet de l'exode des jeunes filles, il m'a dit ceci. Non, elles pourraient rester ici, mais vous savez, la terre est ingrate au jour d'aujourd'hui. Il faut toujours de plus d'argent pour pouvoir vivre. Et c'est toujours difficile à joindre les deux bouts. Elles vont dans les villes, elles cherchent un avenir meilleur. Peut-être qu'un jour elles retourneront au pays, mais enfin, ça. Il n'y a pas d'agrément, il n'y a pas d'amusement ici, c'est tout. Et les jeunes, petit à petit, ça se perd, la jeunesse se perd tout. Alors nous allons rester que quelques vieux dans le village. Dans le Kéra, les vieux célibataires abondent. Le plus souvent, ils vivent à plusieurs et chacun se réfugie dans le silence, l'habitude de vivre, l'amour des bêtes. Quelques-uns des plus jeunes se posent encore des questions, comme ceci. Cet homme à droite est cantonnier. Il a trouvé une façon de sortir de la condition paysanne tout en restant enraciné au village. Mais dès que j'ai eu une place de libre au Kéra, j'étais content d'y revenir. L'année dernière, je venais tous les dimanches, parce que j'aime mon pays aussi. Voilà. Cet autre a quitté le village pour les camps de bergers de Provence, puis il est revenu avec l'idée d'aménager sa maison en gîte touristique. Et moi, je suis parti, la cause principale, ça a été les inondations qui m'ont apporté beaucoup de terrain. Moi, j'avais plus assez de terrain pour exploiter, pour pouvoir tourner ici. Voici le coupable, ce joli torrent, l'Aigue Agniel, qui emporta des hectares de prairies en 1957. L'inondation ici, c'est une crue de torrent, quoi. Et la terre qui s'en va, la terre qui descend des montagnes, qui est entraînée par le... Et alors toutes les terres qui sont autour du torrent, c'est emporté comme une avalanche. Nous étions inondés complètement. Et nous étions isolés de tout. Nous n'avions pas ni électricité, ni téléphone, rien. C'était très beau autrefois, maintenant il y a moins d'arbres, mais autrefois les arbres étaient très serrés, il y avait des fleurs, c'était un coin assez plaisant. On l'appelait le bois des amoureux, je ne sais pas pourquoi. On ne communiquait pas avec Pissanella, on ne communiquait pas avec Fongia, on ne communiquait pas même avec le pied de Moline. Voilà, on était isolés. On était isolés du monde en plein. Peut-être à l'avenir ça reviendra, mais peut-être dans quelques siècles, parce que pour se regazonner, il faut très longtemps. Ça aussi, c'est un problème qui a fait que beaucoup de jeunes préfèrent s'en aller, faire des fonctionnaires, faire des cantonniers, des douaniers, gardes mobiles. Voilà, on n'en sort pas. Village qui se dépeuple ou vieillit. Même le torrent a accéléré ce mouvement. Alors, l'exception confirmant la règle, je vais vous montrer quelque chose de rarissime, un couple jeune. Je les rencontre au retour de l'étable. Intimidés, ils éprouvent le sentiment d'être un cas. Je leur demande pourquoi ils sont restés au village. Ben moi, je suis resté de plein gré. Ça me plaisait assez, ce travail-là, quoi. Mais je vois que si on est les seuls, ben on ne peut pas continuer. Moi aussi, c'est un peu de plein gré, mais enfin, les événements ont aussi fait beaucoup. J'ai perdu mon papa à l'âge de 14 ans. Et après, je suis resté avec ma mère et mon frère tout seul pour travailler la terre. Enfin, après, j'aurais pu partir, quoi. J'ai connu mon mari et je l'ai aimé. On a décidé de rester ici. J'évoque l'avenir de leurs enfants. On poussera à faire autre chose si... S'ils peuvent aller à l'école. Ou... prendre des études. S'ils sont un peu doués, quoi. Ou apprendre un métier, quelque chose. Mais pas rester la terre, non. Les enfants,
Je rêve un instant d'être écolier à Pierre Grosse pour contempler la germination d'une graine de haricot dans un bocal. Les enfants, je les regarde, étrangers à l'angoisse générale, alors qu'ils se racontent des histoires, ou plutôt qu'ils brodent autour d'histoires connues. Il y en a deux à Pierre Grosse qui reviennent toujours. Celle de l'avare qui refuse de nourrir son âne et qui, le menant la nuit à la fontaine, lui fait prendre le reflet de la lune pour une galette. Et celle de l'ours, apprivoisée par un chaperon rouge local. Supporta pas plus longtemps le regard triste de la fillette. Il paraît qu'elle vécut très vieille, il paraît qu'il vécut très vieux à côté d'elle et qu'ainsi finit dans la domesticité le dernier ours du Kéra. D'autres dessins au mur de l'école. Celui-ci est presque un pensif. Le Père Noël fait du ski. Là, c'est un désir inassouvi, celui des cerisiers. Ici, un hommage rendu à l'école. Les cerisiers et les cerises encore, car à 1900 mètres, ils ne poussent pas. Ah, là, là c'est révélateur. Voici comment un enfant voit son père et comment il se voit, lui, dans une dizaine d'années. Je comprends alors que les enfants de Pierre Grosse restent étrangers aux incertitudes des adultes. Pour eux, l'avenir est là, confus et doux, dans la pratique professionnelle des sports d'hiver. Patiemment, sur les pentes au bord de l'Aiganiel, les gosses s'entraînent. Ils se donnent d'ailleurs des surnoms, Périlla, Boson, Zimmermann, Léo Lacroix, en songeant au jour où ils tiendront la vedette sur les pistes rouges des championnats internationaux, ou plus simplement, sur les pistes d'apprentissage pour citadins néophytes. La nuit est tombée brutalement. Je vous avais promis de vous ramener à la fruitière, nous y voici. Le lait y est pesé, passé, contrôlé. Le chemin que nous leur avons vu parcourir ce matin, les hommes le refont, mais beaucoup plus lentement, pour éviter les plaques de verglas. Puis, ils discuteront fort avant dans la nuit, et selon l'actualité, la fruitière deviendra à leur guise salle de conférence, confessionnal, hall de meeting, bistrot enfumé. Tandis que je regarde le lait couler, je me souviens de ce que me disait un de ces hommes tout à l'heure. Les inconvénients avec les vaches, ils sont nombreux. Parce qu'on a souvent des pépins avec les vaches. Il y a des maladies, l'avortement. Ces années-ci, on a l'avortement, il y en a beaucoup qui avortent. Et puis, il faut quand même acheter
des farines, des tourteaux, et ils sont assez chers. En rapport au prix que nous vendons le lait, vraiment, ce n'est pas bien rentable. Le lait n'est pas rentable, alors qu'est-ce qui est rentable? La neige? Tout le monde sait maintenant dans les Alpes que la neige se vend bien. Il suffit de posséder cette machinerie. Chaque village la convoite, mais quand elle est installée, que se passe-t-il? À Pierre Gauss, on m'a dit, le remonte-pente est venu bien trop tard. Il aurait freiné l'exode, mais il ne l'aurait pas empêché complètement. Parce que le remonte-pente est financé par d'autres que nous. Ce qu'on nous offre avec lui, c'est une forme nouvelle d'esclavage. Tendre les perches aux skieurs et graisser la machinerie, est-ce un avenir? Et enfin, ça n'occupe qu'un petit groupe d'hommes. Je n'ai pas répondu, mais je suis allé voir dans la vallée voisine la hantise de Pierre Gross et j'y ai peut-être trouvé la réponse sous une forme d'ultimatum. S'il ne sait pas vendre sa neige, Pierre Gross deviendra ceci. Il y a 20 ans, ce village agonisait lui aussi. Un incendie l'a achevé, ne laissant que les infrastructures de pierre que les touristes viennent photographier en été. Il s'est effacé du monde sans bruit, car tous les hommes dans la force de l'âge étaient descendus vers les vallées industrielles. Au premier coup d'œil, les choses sont simples. Un couloir entre deux hautes murailles de montagne, une route, un torrent, un chemin de fer sur la route et, dans les espaces moins étranglés, une usine. Baignant tout et prisonnière des gorges, la grisaille permanente des gaz nocifs. Au commencement, dis-je, il y avait le torrent. Écoutez-le. Puis le torrent engendra l'électricité. Le four électrique engendra l'électrométallurgie, qui engendra des aciers spéciaux et des ferroalliages. La cuve à électrolyse engendra l'électrochimie, qui engendra l'alumine, le carbure de calcium, le chlore, que sais-je encore. Au début du siècle, on savait ici produire du courant électrique, mais on ne savait pas le transporter à bon marché. Alors, toutes ces usines vinrent le consommer sur place, s'installant comme de grosses verrues au plus profond des vallées. Les usines restent où elles sont, et je me demande ce qui est le plus angoissant de leur laideur ou de leur puissance. Prenons un ouvrier au hasard. Il est originaire d'un hameau de Loisan, perché à flanc de montagne. Je lui propose de l'accompagner à son hameau natal. Le père, il regarde souvent la vallée où ses 7 fils sont descendus et il a entendu parler des coulées incandescentes autour desquelles s'agitent les 7 fils. Il attend que l'un d'eux parfois apparaisse sur le chemin. Et cette rencontre m'a permis ces observations qu'il me faut dire. Autant le père m'a paru vif d'esprit, autant le fils m'a paru fermé. Autant le père m'a paru chaleureux et enjoué, autant le fils m'a paru gelé et morne. Autant le père m'a paru enraciné et plein de sève, autant le fils m'a paru sans attache et usé. J'ai rapporté à Élie Berge, à Pierre Gross, mes impressions de Loisan et de la Romanche, et voici ce qu'il m'a dit. Évidemment, la vie d'usine, la vie de...
Ce n'est pas comparable à celui qui mène une vie au grand air. À l'usine, on devient abruti, selon son travail que vous avez à l'usine. Si vous avez une machine à manier et faire de 8 heures de travail, pendant 8 heures le même mouvement du matin au soir, mais, vous finissez par devenir chèvre, comme on dit chez nous. Tandis que le travail de paysan, c'est plus vaillé, c'est plus... Oui, bien sûr, traire une vache, vous êtes obligé de prendre des pétines et tout le monde fait la même chose pour traire une vache. Mais quand même, dans la journée, vous avez un travail varié. Vous faites le travail autour des bêtes, vous allez préparer votre foin. Celui qui a un peu de goût, qui a un moment, il peut faire un peu de menuiserie, il peut faire le cordonnier, il peut faire le forgeron, il y a un tas de petits travaux qu'on fait en hiver, qui sont assez variés. Ça, on peut dire que ce n'est pas déplaisant. Je ne vous dirais pas que c'est d'un grand rapport, ça, d'accord. Mais c'est assez plaisant. Alors que l'été, mon Dieu, mais quand même l'été, le matin, vous allez faucher, vous allez retourner le foin, vous engranger votre foin. C'est pas un travail de robot, c'est pas un travail comme après une machine à faire le mouvement pendant 8 ou 9 heures, le même mouvement là, sans s'arrêter. Pas pareil. Cela dit, malgré cette vieille hostilité des paysans alpins à l'égard de l'usine, beaucoup d'entre eux y sont pourtant venus chercher ce à quoi ils aspirent tous, un statut social. En voyant l'importance que prenait le jardin dans la vie de ces anciens paysans, j'ai pensé un instant que c'était là un sentiment nostalgique. Je me trompais. En réalité, c'est une échappée possible, hors du ventre des usines, au même titre que la belote et la télévision. Les ouvriers de Sochaux aussi plantent des oignons. Je sors de ce boyau de feu et de brume avec le train qui fait la navette sur une quinzaine de kilomètres entre Séchilienne et Gavet. Ce train, je vous l'avais déjà dit, qui se ferait un passage sur la route même dans l'indifférence générale. Juin 1962, un autre train. Comme dans les westerns, celui-ci a sifflé trois fois avant la courbe. Manque la bande dehors, la loi sur le quai, mais leur chef est peut-être dans le train. Il est 4h30. Le petit jour a des couleurs douces, propres à emballer l'imagination. Jusqu'ici, rien de spécifiquement alpin. Ce pourrait être une gare des Vosges ou du Massif Central, et je sais aussi qu'il n'y a rien de particulièrement réjouissant à suivre les manœuvres d'un train de marchandises, même à Jarry-Visil, aux portes de Grenoble. Voilà ceux que j'attendais et que vous attendiez avec moi. Ils viennent de Salon de Provence. Autrefois, ils venaient à pied. Ils remontaient la vallée du Rhône, lentement, pendant des semaines, et, à Valence, ils tournaient à droite, en direction des verts pâturages, que louaient, et que louent encore, des maquignons capitalistes. Si ce soir vous ne parvenez pas à dormir, souvenez-vous d'eux, comptez-les un à un, et si vous vous endormez au 908e, il vous en restera 2092 pour les nuits suivantes.
Si j'avais le temps, je vous parlerais des moutons. Rappelez-vous ceci en vrac, l'agneau pascal et les moutons de Panurge. La peau de mouton sur laquelle on photographie, tout nu, les bébés de 3 mois. Et les assiettes en faïence avec scène pastorale qui décore les intérieurs rococo. Il est vrai que depuis 10 ans, le mouton a un ennemi redoutable, le tergal. Je vous parlerai des bergers. Ne les prenez pas pour de vagues nomades, locteux, pittoresques et rêveurs. Garder, guider, soigner, défendre. Faire paître des moutons en altitude, c'est une technique et les techniciens se raréfient. Le troupeau mettra 3 jours, ou plutôt 3 matinées nocturnes, pour remonter la vallée de la Romanche et parvenir à 2000 mètres, là où fleurissent les gentianes. L'Alpe d'Huez. Le 24 juin au petit jour, nos rendez-vous avec les transhumants nous ramènent régulièrement au petit jour. Tout en regardant ces hommes, je me souviens soudain qu'à cet endroit même, il y a 2 mois seulement, discutaient un groupe de skieuses, filiformes dans leurs fuseaux et leurs anoraks, coiffées de moumoutes en krylor et les yeux protégés de lunettes effilées. Oui, regardez bien ces images. Deux réalités alpines s'y mêlent, la vieille vocation pastorale et la jeune vocation touristique. Ces perches, il y a 2 mois, débitaient 8000 skieurs à l'heure sur 4000 hectares de champs de neige. Sur les mêmes hectares d'herbage, 3000 moutons vont se répandre et les premières neiges les chasseront, chaque monde ignorant l'autre. Ici même, il y a 2 mois, non, j'ai envie d'arrêter le cours de cette projection et d'ouvrir les vannes du souvenir. Ruée vers la neige. Le mouvement est déclenché depuis 60 ans. Femme sortie du Potemkin? Oh que non. Pour qui n'a pas la mer de glace, reste au moins Fontainebleau. On la traite. Vélocipède ou quoi d'autre? Devinez. Réponse dans 1 seconde. Engin spatial ou quoi d'autre? Même jeu que précédemment. À quoi rêve la jeune fille? À la science du moniteur. C'est inévitable.
revenons à nos moutons. C'est au Mont Viseau maintenant, aux sources du Guil, que nous devons rencontrer Mathias, un berger venu de Provence. Ben, une vie de berger, c'est très solitaire, vous savez. Alors le matin, on se lève à 4h, 4h30 du matin, on est levé. Ensuite, le premier travail, c'est d'aller faire un tour aux brebis. Et aux brebis, j'ai une chèvre à faire têter. Une chèvre qui a une grosse pie d'un côté, et le chevreau, comme il ne peut pas la têter, je suis obligé de lui aider. Et des fois, vous savez... Il veut têter, il veut pas têter. Enfin, on le force un peu. Puis, plus que ça, hier, j'ai eu une brebis de piquet. Mais enfin, c'est pas grand-chose, pourquoi entre le pouce et l'index, on fait que prendre la peau, là. On la serre un peu, et avec la pointe de couteau, on coupe. Pour faire sortir l'eau, puis les mélanger avec le sang, et ensuite on met d'alcali. Et ma foi, ce matin, ça allait beaucoup mieux. Quoi. Ce métier, je l'ai commencé en 1924, à l'âge de 6 ans. Et je le gardais avec mon oncle. Mon oncle, qui avait 75 ans, je l'ai lui gardé, mais je gardais par plaisir. Vous savez. Et souvent, j'avais un chien avec moi qui me tenait beaucoup compagnie. Pour la nuit, j'avais beaucoup peur. Et j'ai eu de ces peurs, vous savez, un peu là. Enfin, avec le chien, quand la nuit arrivait, j'appelais toujours le chien à côté de moi. Là, que je me rassasiste, quoi, que j'ai plus peur. Eh bien oui, j'avais commencé de vouloir prendre le billet de boucher, puis ça est venu la guerre de 1940 que, ma foi, j'étais obligé d'abandonner. D'abord que j'étais pas assez, d'abord pas assez instruit, et seconde que j'étais pas assez secondé. Vraiment, c'était un métier qui me plaisait énormément, surtout la charcuterie. Et puis je le faisais d'un goût proprement, et ma foi, ça m'aurait plus plu que le métier de berger, puis quand, ma foi, quand je suis resté dans les bergers. Surprenant, n'est-ce pas, ce doux berger qui rêve d'être boucher. Et quand je lui ai demandé ce qu'il avait de bon dans la vie, il m'a répondu ceci, qui est plus surprenant encore. Oui, pourquoi on va ramasser cueillir des édelweiss, quoi. Et puis, pas que ça, de l'arnica, du chenépique, des fois on fait des cadeaux, des fois même on fait des étrennes, quoi, ça fait plaisir. Quoi. Je le quitte ici, sur cette vision traditionnelle, pour retrouver à quelques kilomètres de là, ce village qui me fascine, Pierre Grosse. Le petit jour, encore. C'est au petit jour déjà, vous vous en souvenez, que nous avions découvert ce village par moins 20 degrés et sous la neige. Revoir Pierre Grosse dans cette lumière tendre de l'été me donne l'envie d'oublier mes interrogations sur la condition paysanne. C'est là le piège des Alpes, la magie du décor qui flatte les sens et vide l'esprit. Les paysans travaillent dans les prairies, flottent dans l'air de lourdes senteurs de foin coupé. Seules deux femmes sont mobilisées pour mener à l'alpage le troupeau du village. Laissez-moi flâner dans ces décors vides
et jusque dans ces étables qui ressemblent à des églises romanes. Laissez-moi retrouver un instant les images et les sons de cette fontaine comme ils étaient 6 mois plus tôt. Il y a gros à parier que le hameau se débat toujours avec ses incertitudes. Pourtant, en revenant ici, j'ai appris qu'il faisait partie de ce que l'on appelle une zone témoin agricole, normalement destinée à lui redonner souffle et avenir. Ce fut d'abord une belle flambée avec des slogans pleins d'attrait, remembrement, réseau électrique rénové, construction de foyers ruraux, défense contre les torrents, création de pistes jipables, gîtes ruraux pour touristes, mécanisation des travaux, arrosage au canon hydraulique, baignoire pour ovin, fumière pour irrigation fertilisante et machine à laver pour retenir les femmes. Je me demande où est l'effet de tout cela et qui est responsable de l'échec. Peut-être, en définitive, plus qu'une intervention chirurgicale, n'a-t-on pu et voulu donner qu'une médecine tranquillisante. Quoi qu'on fasse, m'a dit un propagandiste fatigué, l'agriculture au-dessus de 1000 mètres, c'est du folklore. Bonjour, Monsieur Berge. Comment allez-vous depuis cet hiver? Ça va très bien, et vous? Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 mois? Eh bien, nous avons eu un mauvais printemps. Ah oui? Du mauvais temps, de la sécheresse, du vent. D'ailleurs, regardez l'aspect de notre vallée. Elle était plus belle sous la neige. Vous voyez, les arbres sont chargés de chenilles, ils ont perdu leur couleur verte. Les plantes, les fleurs, tout ça, ça a soif. Et ce n'est pas beau du tout, quoi. Et puis nous avons peu de fourrage. Peu de fourrage. C'est encore Élie Berge qui m'a dit plus tard, en voyant ces images... Et vous voyez que nous ramassons les foins avec des moyens très primitifs. Nous faisons des fagots qu'on met... sur la charrette, qu'on fait des charretés de 300 ou 400 kilos, on ne peut pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire des charretés en vrac, parce que les constructions sont très, très vieilles, les entrées de grange sont très petites, et puis même avec nos chemins, nos routes, on ne peut pas faire de grosses charretées. Pour engranger ça, c'est bien plus facile, les fagots que nous faisons. Il faut toute une saison pour ramasser 20 ou 30 000 kilos de foin. C'est pour ça que nos jeunes, en voyant ce travail-là, ils ne tiennent plus. Guerre a continué. Et qu'un retour à la terre n'est pas à envisager. Que faut-il faire? Les gens ici qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de... voulez-vous qu'ils aillent? Que voulez-vous qu'ils fassent? Bon, pour les vieux, ils peuvent continuer à vivoter ici, mais les jeunes, vous ne pouvez pas les tuer, ces gens-là. Il faut qu'ils continuent de vivre. Il faudrait que l'État fasse quelque chose pour eux, alors. Parce que... ne peuvent pas partir comme ça sans formation, sans instruction, sans formation, sans métier, ça ne peut pas. Où iront-ils? Je vous l'avais bien dit, Pierre Grosse rumine son angoisse. Je ne suis pas prêt d'oublier ces faneurs qui ressemblent à des pêcheurs calabrais et dont le filet jeté revient plein d'une récolte médiocre. Regardez bien encore ce qui est appelé à disparaître, et sans doute à bref délai. Alors, je dois me poser clairement maintenant cette question. Où est l'avenir des Alpes? Et je dois en chercher la réponse ailleurs. Novembre 1962, une forêt de légendes. Il y a 3 coffres pleins d'or, de pierres précieuses et de bijoux dans les ruines du château voisin. Jadis, la demoiselle du château, qui était aussi belle que méchante, en fit voir de tant de couleurs à son père que ce noble vieillard la maudit dans les règles. Et depuis lors, l'infortuné se trouve enchaîné à ses trésors au fond d'un humide souterrain. Elle a pourtant quelques heures de congé, tous les 10 ans. C'est la seule chance qui lui est offerte d'être désenchantée. Ce matin-là, si le hasard veut bien qu'un voyageur se trouve à la bonne heure et au bon endroit,
il verra cette ravissante personne se baigner dans un lac profond. Je ne m'attendais pas à cette forteresse. Étrange douves, en vérité, qui reflètent dans leurs eaux le Mont Blanc. Sous notre embarcation, 110 mètres de profondeur. C'est un ancien lac glaciaire. Au-delà du barrage, un à-pic de 500 mètres. Vous n'y trouverez ni vierge ensorcelée ni trésor, mais un homme seul, le gardien, se promenant sur le plus grandiose chemin de ronde des Alpes. Je retrouve Almo, le gardien. On m'a dit qu'il avait œuvré à l'édification depuis les premières fouilles. Je me rends compte soudain que j'ignore tout des hommes comme lui. Qui nous a longuement parlé d'eux? Je lis sur le visage d'Almo comme un regret. Le regret que l'épopée appartienne au passé et que le voyageur ignorant ait le sentiment que de tels ouvrages ont poussé là comme des champignons, attendus depuis toujours par la nature. Alors il me montre des preuves, il faut qu'on sache. Là, dit-il, voyez, c'est en août 1943. On a commencé pendant la guerre. Beaucoup d'entre nous ont fait de la résistance. Ici, c'est en octobre 1948. Voici donc les héros rarement chantés. 13 d'entre eux sont morts pendant la construction du barrage de la Girotte et à cause de lui. D'autres sont morts dans la résistance. Et non seulement ils ont élevé des forteresses de béton, mais ils ont jeté des drains au cœur des montagnes. Ils ont drainé, drainé, drainé pour que toutes les eaux soient collectées. Bon touriste, je regarde les reflets du soleil couchant sur le Mont Blanc, mais ce n'est pas à lui que je pense. Je pense aux draineurs, aux bâtisseurs, aux perceurs de montagnes, à leur héroïsme tranquille. Je pense à tous les prolongements secrets et souterrains de ces travaux titanesques. On croit respirer ici des odeurs d'encens. Je marche sous cette nef longue de 140 mètres et qui me conduit au cœur de la montagne vers une usine tapie au fond d'une énorme masse de schiste. Dans la cavité qu'il a fallu creuser pour l'y installer, on aurait pu y introduire la cathédrale de Reims. Au bout de ce couloir, les hommes se sont donné l'illusion de la lumière du jour. La bâtie. Alimenté par deux réservoirs, Rosland et la chapelle Saint-Guérin, plus un ensemble de collecteurs annexes. Soit 250 km² la totalité des surfaces drainées. Soit une conduite forcée venue de 1200 mètres de haut et dans laquelle déferle 53 mètres cubes d'eau par seconde. Soit, pour l'usine elle-même, quatre chambres parallèles. Chambre du collecteur, chambre des robinets, chambre des machines, chambre du canal de fuite. Soit la plus puissante des centrales hydrauliques françaises.
Dans la salle de quart, un homme maîtrise l'énergie enchaînée. 4 minutes après l'ordre reçu, il peut envoyer dans les réseaux 500 000 kilowatts. Je me laisse envahir par ces images de science-fiction, mais c'est de la fausse science-fiction, car l'épopée, mon cher Almo, est bel et bien fini. Il y a des noms qui sont entrés dans la légende. Le Chambon, Serponçon, Tigne, la Girotte, tant d'autres, et ces forêts d'isolateurs participent intensément à l'activité économique. Tout cela est vrai. Mais ce qui défile là devant moi à la bâtie est peut-être déjà une réalité alpine dépassée. Aujourd'hui, par le glissement industriel vers la vallée du Rhône et les usines qui s'y installent au fil de l'eau, par les centrales thermiques implantées n'importe où, demain et surtout par l'énergie atomique. Alors, où est l'avenir des Alpes? L'avenir des Alpes, le voici. Un champ de neige, l'armature d'un remonte-pente, une Jeep fébrile. Dans cette microstation de la vallée de Chamonix, qui ne voit pourtant pas le soleil avant mars, sauf pendant 21 minutes au cœur du jour, les hivernants y déferleront le 22 décembre. Nous sommes le 12. Tous les hôtels affichent complet. Cet homme lutte contre le temps. Dans 10 jours, il lui faudra une patinoire impeccable. La couche de glace doit monter encore de 30 cm. Il arrose toutes les 2 heures. Ensuite, il fait éclater les boursouflures doucement au racloir. C'est de la joaillerie. Chaque station a son style. Style jeune, on y vient pour skier et danser le twist. Style snob, on y vient parce qu'il faut pouvoir dire qu'on y va et qu'on y a rencontré un tel. Style business party, on y vient pour continuer à traiter des affaires, boire du whisky, mais jamais, au grand jamais, chausser une paire de skis. Style familial, comme celle-ci, sapin avec papier d'argent et feu clignotant dans les branches, c'est Noël chez soi. Nous sommes le 12 décembre, je l'ai dit. Le 22, ils seront là, bruyants, grouillants, cherchant l'ivresse des pistes. Alors, en pensant à eux, en ne pensant qu'à eux, on graisse la machine, on la contrôle, on la perfectionne. Et puisque nous sommes dans les coulisses de la saison, je vous en montrerai les ficelles. Celle-ci, par exemple, un tuyau, oui, tout bête, dirigé sur un petit bois de hêtre. Peu à peu, la glace se forme sur le squelette des arbres et sous une pluie de cinéma. Dans 10 jours, les hivernants pousseront des cris émus devant cette mer de glace miniature, cette pâtisserie bizarre. On pense beaucoup dans les stations 10 jours avant l'invasion. Cela va de la dispense de faire maigre le vendredi demandée à l'évêque qui l'accorde, à la mise en page des dépliants publicitaires. Ces jeunes gens se racontent une bonne histoire. Un hôtelier qui connaît les trucs du photomontage a gentiment déplacé le Mont Blanc de 20 km vers le sud-ouest pour le mettre au fond du jardin de l'hôtel. Je lisais moi aussi un dépliant tout à l'heure, voici en gros ce que ça donnait. Val d'Isère. La plus enneigée, la mieux équipée, bien ensoleillée. Le Grand Bornand. La plus enneigée, la mieux équipée, bien ensoleillée. Skieur chevronné, skieur débutant, venez tous au Grand Bornand. Chamonix. La plus enneigée, la mieux équipée, bien ensoleillée. La capitale européenne du ski. Courchevel, 1650. La plus enneigée, la mieux équipée, bien ensoleillée. Megève. La plus enneigée, la mieux équipée, bien ensoleillée. Le Donville des neiges.
Courchevel, 1850. La plus enneigée, la mieux équipée, bien ensoleillée. Flaine, la plus... Mais non, Flaine, ce n'est rien encore qu'un site admirable et un lieu dit du massif du Giffre. Demain, ce sera une station ultra-moderne. Pour accéder aux traces du Flaine futur, un bulldozer nous ouvre le passage. Derrière nous, une large route a déjà été taillée et nous avons laissé sans nous y arrêter les paysages des futures stations satellites pour aller droit au fleuron de l'ensemble. Il neige, c'est de l'or qui tombe. Flaine, il me plaît de contempler cette piste, de ressentir cette impression de champ de fouille de l'avenir. Le cœur de la station sera là avec, au loin, la trouée dite de la plaine du lac et une échappée, psychologique d'ailleurs, vers le monde qu'on a quitté. Nous allons et venons sur la piste cherchant à identifier un emplacement ou un autre, à imaginer l'avenir, nous en sommes pleins. Avec cette idée par exemple, à peu près là où nous marchons, il y aura une immense piscine aux eaux bleutées sous un soleil blond. Raccourci saisissant de la Côte d'Azur au milieu des neiges. Ici, la grenouillère, traduisez, le point de départ des remontées mécaniques, le point de convergence de toutes les pistes. Là, un hôtel pilote bâti selon la technique des transparences, traduisez, des bâtiments sur portique avec points d'appui dispersés. Ici, un autre hôtel, jaillissant de la falaise pour se lancer dans le vide avec un porte-à-faux de 17 mètres. Là, un champ de neige, le temps des sanaïs n'est plus. On parle aussi de déneigement thermique, traduisez, les lieux de passage seront chauffés et la neige ne sera qu'un plaisir, jamais une gêne. Tandis que je m'attarde un instant près de ces raboteurs de montagne qui vivent une nouvelle épopée, j'aimerais vous donner la mesure de l'entreprise. Les skieurs de la côte est des États-Unis comptent 11 heures d'avion pour atteindre les champs de neige de Squaw Valley. Il leur faudra 6 heures seulement pour traverser l'Atlantique et chausser leurs skis dans les Alpes. À cause de la neige, Flaine va devenir la proche banlieue de Miami. À cause de la neige. Je songe à des noms qui sont aujourd'hui des lieux-dits. Saint-Martin de Belleville, Foudalos, tant d'autres lieux encore ignorés et qui feront des Alpes, non pas seulement la banlieue de Miami, mais celle d'Hénin-Liétard, Langouy et Levallois-Perret. Et quelle sera votre part dans cet avenir, vous, mes amis de Pierre Grosse, et qu'allez-vous penser de cela, vous, Élie Berge, vous, Mathias, vous, Almo? C'est pourtant là, sans doute, qu'est la véritable science-fiction alpine, je devais vous le dire. Car, face aux machines à calculer, aux machines à informer, aux machines à sous, aux machines à enseigner, à tant d'autres machines, et à la plus redoutable de toutes, la machine à penser, face à cela, dis-je, il est en train de se fabriquer dans les Alpes la plus réconfortante des machines, le plus merveilleux antidote, la machine à vacances, écoutez-la.